infléchir le budget à venir. Donc ce n'est pas un exercice simplement comptable où on va nous présenter la loi de règlement de 2011, de 2010. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'examiner la loi de règlement 2014 pour qu'on puisse constater les dysfonctionnements et éventuellement réorienter la politique budgétaire ou enclencher des enquêtes parlementaires sur l'utilisation des fonds publics. Voilà ce que le gouvernement ne veut pas et voilà pourquoi la majorité ne souhaite absolument pas l'examen de cette loi, parce que c'est par ça qu'on peut savoir comment le gouvernement organise la fraude et la prévarication de nos ressources financières. Est-ce qu'il manière de dire que vous n'êtes pas satisfait de la réponse ou des arguments qui ont été avancés par... L'argument qui consiste à dire d'attendre que le gouvernement soit prêt et que... Mais ça ne tient pas. La loi impose aux parlementaires d'examiner la loi de règlement avant d'examiner la loi de finances initiale. Ça, c'est la loi. Si on doit à chaque fois s'arranger avec les dispositions de notre législation, je crains pour ce pays. Et c'est la gouvernance du RPG Arc-en-Ciel qui est en cause. Je vous remercie. Le règlement intérieur n'a pas été... Le règlement intérieur n'intéresse pas le Parlement. Et le chronogramme aussi. Le chronogramme, le budget, la transparence, ce sont des choses qui n'intéressent pas la gouvernance du RPG. Et c'est pourquoi vous n'avez pas voté aujourd'hui? On ne vote pas ce qui est malhonnête.